Bonjour à tous, c'est Dorian, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. On est mardi et c'est l'heure du coaching pour Terre de Jeux 2024. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul puisque je suis avec Florian qui travaille au Crédit Agricole. Bonjour. Et Delphine. J'allais le dire. Et Delphine qui travaille également au Crédit Agricole. Du coup, Florian, je te laisse parler un peu plus de ton agence. Tout à fait. Donc je travaille au Crédit Agricole à Hérouville. Et je participe depuis 3 ans au collectif Hérouville Sport Partenaire, qui est le collectif en fait entre la municipalité et les entreprises pour encourager donc les associations à se lancer dans le domaine du sport. Et donc on a relevé le défi d'être là aujourd'hui avec toi. Ok, alors bienvenue. Et du coup, les actualités en ce moment ? Pas d'actualité en particulier. Le Crédit Agricole Normandie est toujours là pour accompagner nos clients professionnels, particuliers, ainsi que les associations et les agriculteurs. Parfait, eh ben, merci d'être venu aujourd'hui. Donc on va faire un petit cours de HIIT. Donc c'est un circuit training, il y aura 5 exercices, 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération, à faire 5 tours, parce que vous êtes courageux, donc on va faire 5 tours. Chez vous, si vous voulez faire que 3 tours, 4 tours, vous pouvez, mais si vous voulez être à 5 tours avec nous, alors vous êtes les bienvenus. On va décomposer ensemble les exercices et après on va partir, mais voilà. Il faut savoir que nous, au préalable, on a déjà fait un petit échauffement. Voilà, on a fait un peu de mobilité articulaire, des talons-fesses, des montées de genoux pour faire monter un petit peu le cardio. Et ça part tout de suite sur l'exercice 1, mountain climbers. Donc les mountain climbers, on va venir se mettre en position planche, donc le regard bien vers le sol, les poignets sont sous les épaules, d'accord? Voilà, parfait, on serre les fesses, on contracte les abdos, pas trop, parfait. Et là, la jambe droite va monter au coude droit, exactement. Et ensuite, pareil, exactement, voilà. Attention à tout ça, ici tout ça, tout ça, c'est sinon tes pieds vont rider. Voilà, mountain climbers, exactement. Donc là, on peut en faire quelques-uns. Donc c'est sans sauts, si vous voulez mettre de l'intensité, vous pouvez faire avec les sauts. Ça sera notre exercice 1, parfait. Pour l'exercice 2, on se mettra en fente avant. Donc la fente pour bien travailler les ischio, pour avoir un beau fessier. Donc les pieds largeur bassin, ok, le menton bien relevé. On va lancer la jambe gauche. Voilà, et on va bien se retrouver à 90 degrés. Voilà, parfait. Jambe droite. On ramènera. Tu fais attention, là c'est parti. Tu pars beaucoup trop loin devant. Tu vois, c'est ton corps, tu dois rester au centre. Lance ta jambe. Tac. Tu lances plus loin ta jambe. Et c'est ta fesse qui descend, c'est tout. Là c'est ta jambe gauche qui doit descendre. Non, tu vas trop vers l'avant. Tu vois, tu fais comme ça. Il faut bien que tu sois ici. Ça doit faire 90 ici, tu vois. Okay. C'est là. Voilà, exactement. C'est comme ça que tu travailles là. Ok, donc on alternera fente droite, fente gauche. Exercice 3, on passera au sol pour travailler un peu les abdominaux. Donc la tête bien au sol. Les mains sous les fesses. Voilà, et là je vais venir descendre les jambes doucement et les remonter. Je descends doucement et je remonte. Voilà, plus on descend bas, plus on travaille les abdos, la tête bien posée au sol. Parfait. L'exercice 4, on va encore travailler un peu les fessiers, on va se mettre à genoux. Ok, et là on va monter. Jambe gauche, jambe droite, et on redescend. Et après on alterne, jambe droite, jambe gauche. Ok? Si on peut, quand on arrive en haut, on saute. Ça va? Les deux genoux au sol. Les deux genoux bien au sol. Voilà, tes deux genoux, on reste bien gainé, tu restes bien droit. Et là, tu mets ta jambe gauche ou jambe droite, parfait, peu importe. Tac, et tu montes avec celle-là. Voilà, tout simplement. Ok? Et l'exercice 5, pour finir, un petit peu de cardio. Montée de genoux, j'ai de la chance, je suis avec des athlètes aujourd'hui. Donc ça va aller, et pareil, on gère l'intensité. 30 secondes. Voilà, on a nos 5 exercices. 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération. Je lance le chrono. Et c'est parti. Allez, on commence par une mountain climbers, position planche, 30 secondes et c'est parti. Voilà. Allez, on reste bien droit. On contracte bien les abdos. Allez, c'est parti. On souffle bien. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. 2, 1, repos. Allez, 30 secondes de récupération. On est bien avec 30 secondes de récupération. C'est bien. C'est mon préféré. Ok, donc les fentes,
je vous rappelle, on reste bien droit, le poids du corps est au centre, d'accord? Pas du tout vers l'avant. Je lance ma jambe, et après je descends, c'est la jambe arrière qui va venir fléchir. Je ne pars pas vers l'avant. Tu décomposes, tu mets bien devant, et là tu vas descendre avec la jambe arrière. Là tu vas tourner là. Allez, on est prêt? Allez, c'est parti. Tac. Tac. Redresse-toi. Lance ta jambe gauche. Ok, et là tu vas venir fléchir ici. Tu vois, ton genou il doit pas partir vers l'avant. Ok, vas-y, voilà. Voilà, là tu y es. Là tu y es, exactement. Je le sens. Allez. Pour ceux qui veulent, vous pouvez alterner en train de sauter. Voilà, comme ça on travaille un peu la coordination et le cardio. Plus vous allez descendre bas, plus ça va travailler vos cuisses. Repos. C'est pas une différence. En fait, sur une fente, l'erreur qu'on a tendance à faire, c'est que quand on est là, c'est cette jambe-là qui va venir plier devant. Et là, en fait, on ne travaille pas du tout. Alors qu'en fait, c'est celle-là, c'est la jambe arrière qui va venir fléchir, mais cette jambe-là, en fait, elle ne bouge pas. Okay. C'est les fesses qui descendent, d'accord? Et là, quand je suis ici, je suis à 90 degrés ici et 90 ici. Faut prendre son temps, il n'y a pas de souci. Allez, à deux. La tête bien au sol, bien relâchée dans le haut du corps, on prend notre temps. On inspire à la montée, on expire à la descente. Allez, parfait ça. Nickel. Donc là c'est le premier tour, hein. On se familiarise un peu avec les exercices. Pour les tours d'après, on n'hésitera pas à mettre un peu plus d'intensité si on sent que on a les moyens. Exercice 4, je vous rappelle, donc la ceinture abdominale est bien engagée, d'accord? On doit rester droit tout le temps, on ne doit pas se démobiliser. On monte jambe gauche, boum. On redescend jambe gauche. Jambe droite, on monte. Vas-y, voilà, tu ramènes, voilà, tu reposes ta jambe droite. Parfait. Pose les deux jambes, pose les deux genoux, pose les deux genoux au sol, voilà. Tu dois partir de cette position là. Voilà. Pour ceux qui veulent, quand vous êtes là. Allez. Voilà. Change de jambe. D'accord, t'alternes. Pas que jambe droite, un coup jambe droite, un coup jambe gauche. Parfait, j'ai déjà fait 4 exercices. Et maintenant, le dernier, montée de genoux. Si on met les bras, un peu plus de coordination, on va faire monter un peu plus de cardio. Ok, okay. On reste bien droit. Le menton toujours relevé. Les abdos béton, tout est serré et c'est nickel. Ok, 5 secondes, ça sera la fin du premier tour. Facile, nickel. 1, allez. Montez genoux, voilà. Attention au tapis, on recule bien parce que là c'est... Allez, 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 disons. Parfait. Deux. Un. Repos, fin du premier tour. Tu peux voir un peu? Faites attention sur la montée de genoux. Vu que vous avez un tapis épais. Ouais, c'est vrai qu'on a maintenant j'ai tendance à avancer. J'ai envie de courir ça. Parfait, ça va? Comprends bien les exercices. Simple et efficace. Ne vous inquiétez pas, ça va le faire. Allez, vise, on repart sur la mountain fingers. Jouez une belle planche. D'accord, on est bien gainé, on est bien droit. Et c'est parti. Attention, regarde. Avance-toi, avance-toi. Voilà. Fais sans saut, fais sans saut. Ramène, voilà. Parfait. Allez, allez, allez. Allez, tu peux mettre de l'intensité sans sauter. Voilà, ramène, voilà, contracte bien les abdos, serre les fesses. Allez. Un, repos. Parfait. Très belle technique. Non, c'est parfait. Allez. Les fentes avant. Tu me fais des belles fentes.
que je déteste le plus. Ah, c'est très bien, tant mieux. C'est la coordination, tout ça, c'est des choses qu'il faut pas que tu hésites à travailler, il n'y a aucun problème. Prends ton temps, c'est pas grave. Mais voilà, je te rappelle, mets bien ton poids du corps au milieu et descends. Allez. Lance un peu plus ta jambe devant. Va chercher, voilà. C'est pas de sauter. Bien, regarde, non, là tu vas te faire mal. J'aime bien travailler en profondeur. Lance bien ta jambe gauche, tac, et tu descends. Limite, sinon, voilà, et tu remontes, et voilà, tu redescends. Tu vas, voilà, exactement, tu vas t'entraîner à faire ça. Voilà, fais attention, c'est bien là. Ici, attention, ton genou ne doit pas avancer. Sur la prochaine série, tu vas rester ici, et tu vas rester en petit mouvement, tu vois. Une fois que tu vas avoir le mouvement ici, tu vas rester là. Ok. D'accord? Comme ça. Tu feras 15 secondes sur chaque jambe, tu vois. Normalement, ça ne doit plus bouger. Une fois que tes deux jambes, elles sont... Exactement. Okay. On va faire ça. Les abdos. En fait, c'est nickel, en fait. T'as déjà toute ta vie, donc c'est facile pour toi. Alors, attention, c'est pas, les mains, c'est pas totalement sous les fesses. C'est pas sous le coccyx, c'est bien sous les fesses. Hein. D'accord? Sous le fessier. Allez. Maintenant, on contracte bien les abdos. Écarte un petit peu tes mains, mais bien sous tes fesses, parce que tu fais une coccyxe. Repos. Les mains sur les abdos, c'est juste ici, juste sous les fessiers. D'accord? Pas besoin de les mettre ici, faut pas avoir le bassin sur les jambes, en fait. C'est bien les mains à plat. Ah, c'est exactement. Donc les mains bien à plat sur le côté. Bien sûr. Ok, on y va. Avancez-vous, faites attention à quoi qu'on met. Allez. Allez, je commence par la jambe gauche. Allez. Hop, tu montes. Monte, voilà. Les deux pieds. Colle les pieds, voilà, tu redescends, tu relances la jambe droite. Voilà, peu importe. Tac. Non, redescends les deux jambes. C'est les deux jambes. Ok, voilà, exactement. Voilà. Exactement. Échange de jambes, commence pas. Exactement, c'est bien, c'est parfait. Parfait. Allez. Donc tu peux sauter. À l'arrivée. Ça sera pour le troisième tour. C'est ça. Parfait. Allez, montez le genou. Faites attention, avancez un peu votre tapis. Quel but c'est pas de se blesser. Ça va? C'est pas si facile que ça, mais c'est plus facile là. Vous mettez le genou? C'est parce que c'est pour terminer ça, je pense. C'est... C'est du taillage du mardi. C'est là que tu le sens. Non mais c'est l'enchaînement des exercices qui fait que forcément en tout cas ah oui, c'est plus compliqué. Incroyable. Allez-y, montez le genou. On va un peu de rap sur la montée de genoux, c'est cadeau. C'est cadeau.
Allez, 5 secondes. Allez, courage. Repos. Parfait. Très bien. Mets-toi en position forte. Voilà. Ok, avance un peu ta jambe avant. Ok, parfait. C'est elle qui vient descendre ici là. Ouais. Vas-y, descends. Ok. Encore. 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 Okay. Donc tu vois, en fait, avec la vitesse, tu vas vers l'avant. Reste bien à l'air. Ok. Un, c'est parti. Allez, t'enchaînes. Vas-y, reste avec toi. Voilà. Que j'en vois. Contracte bien tes abdos, serre tes fesses. Le genou, il ne pose pas au sol. Allez. Change de jambe. Pied dans l'axe. Ton pied bien dans l'axe. Recule un petit peu. Recule un petit peu. Allez. Repose. Si tu n'écartes pas assez tes pieds, en fait, si tu te retrouves là, tu fais ça. Donc c'est pas bon. Après, c'est dur à remonter. Voilà. Alors que si tu arrives à prendre. Bonne amplitude, celle qu'il faut, tu vois, tu as juste à descendre ici en fait. Faut vraiment que tu sentes qu'en fait c'est cette jambe là qui va venir en bas. Allez, les abdos. Un. Allez, c'est parti. Voilà, exactement, tes mains sont bien placées. Allez. Allez, la tête bien au sol. Allez, on contracte bien les abdos. On contrôle bien sa descente. Allez, 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 allez. Deux. Un. Repos. Maintenant. On a plus de la moitié. On va rajouter des choses. Allez. Tous les gens ils vont dire au crédit agricole après, bien sûr. Ah ouais, attention sportif, c'est nickel. Allez. Un. Allez. Allez, on met de l'intensité si on peut. Allez, on contracte bien les abdos quand on monte. Allez, allez, allez. Pour ceux qui veulent rajouter un petit saut là. Le petit saut. Le petit saut pour le dernier. Allez. Vous voyez, pas besoin de matériel. On s'en sort. Montez de genoux. Ça va être facile puisque tout à l'heure on a fait 35 secondes. Donc là on aura que 30 secondes. Non, non, c'est bon, c'est parti. 2, 1, allez. Montez de genoux. Allez. On respire bien, on garde son rythme. Parfait. Nickel tes bras. Tu mets une jambe droite avec le bras gauche, c'est parfait. Nickel. Relâche-toi les épaules. Relâche tes bras frère. Allez, allez, allez. Un second. Parfait. Allez, allez. Allez, 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 allez. Deux. Un. On les a vus les 28 secondes. Nickel, allez, on voit un coup. On part pour le quatrième tour. Easy. Nickel. Alors, on est en position. On fait attention dans la fatigue. On reste bien positionné, on se fait pas mal. Là, je mets une belle planche. Une planche sur laquelle je pourrais manger. Bon. Allez, jambe droite. Voilà, parfait. Parfait. Oh, j'ai les meilleurs élèves de Hérouville Sacré. Allez, allez, allez. Ravance un peu tes épaules, avance, voilà.
flotte, tes épaules doivent toujours être au-dessus des poignets. Allez, 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 allez. 2, 1, repos. Wouh. Eh, on a le seul en plus. Il était en option, mais il est là. Parfait. Allez, les fentes. Allez, fais-moi des belles fentes. Donc, viens ta jambe. Doum, tu descends, tu restes droit. Tu vois, en fait, toi, tu lances devant, tu vois. Tu lances devant. Faut juste que tu descends. Repos. Allez. Mets-moi un peu ta jambe, je te montre en arrière. Vas-y, vas-y. Vas-y, pars devant. Lance devant. Tu lances derrière, c'est pas grave. Vas-y. Fais les fentes arrière. Allez, allez, allez. Parfait. Parfait. Allez. Non. Si, 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 si. J'ai pas de mérite. J'ai pas de mérite. Repos. Ah. Non mais, principal c'est qu'à la fin on est tous travaillés à notre niveau. Et que surtout qu'on sache faire défendre parfaitement. Tu vois, c'est... Non mais c'est ça, tu vois. Allez, on passe au sol. On est dans le quatrième clair, allez courage. Ok. Les fesses juste sous les fessiers, d'accord. Non, tes fesses sont trop rapprochées, d'accord. Le bassin il est posé au sol. Votre bassin touche le sol. Allez, c'est parti. On descend, on ramène. Allez, on va lentement, on contrôle sa descente, on descend, on descend, on descend, on descend, sans poser les pieds au sol. On descend, on descend, on descend. Allez. On descend. On inspire, on fait pas l'effort. Repos, nickel. Ça tient. Tu peux danser et tout. Sur la récup, dès qu'il patine. Ah, j'avoue la musique, c'est pas beaucoup pour danser. C'est ça, sinon, on serait là. Ça annonce, c'est quand on arrive là dans le tunnel. Boah, on est prêt là, ça tombe bien. On repart. Ok, on contracte bien ses abdos, on reste droit. Ok, le bassin ne doit pas bouger. Boum. Allez. Oui, parfait. On peut sauter sans claquer les genoux. Saute, juste le saut, là en haut. Voilà, parfait. On descend. On remonte. Voilà. Oui, parfait. Les épaules toujours dans l'axe. Allez. Repos. Nickel. Montez le genou. N'hésitez pas à voir chez vous, à avoir le sourire comme nous. Ça vous emmène en fait. Normalement, on me suit quand c'est comme ça et du coup, ça part direct sur notre exercice. Allez, montez le genou 30 secondes. Allez, on monte les genoux, on monte les genoux, on monte les genoux. Allez, on met du rythme. Les abdos sont bien contractés. Voilà. Les épaules restent dans l'axe. Les épaules restent dans l'axe. Voilà. Tu peux t'aider tes bras et tu pars pas sur les côtés. Ça veut dire que tu contractes tes abdos si ça bouge pas. Hop. Allez, on monte les genoux. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Repos. Je te vois les yeux fixés sur le chrono comme ça. Le chrono. Ouais, c'est terrible. Mais ça va, mais je baisse en fait. Je crois que je vais garder le chrono pour moi. Je vais vous le cacher parce que... Allez, dernier tour. C'est la cloche. Non. Faut sortir de sa zone de confort. Quand tu crois que tu peux pas, tu peux encore. T'inquiète. Allez, planche, mountain climbers. Dernière 30 secondes, on s'applique, on met du rythme. C'est parti. Et tes bras, tes mains dans l'axe, devant. Devant pour pas te faire mal au poignet, devant. Devant, voilà. Allez. Voilà, bouge pas le bassin ne doit pas bouger. Voilà, tu contractes fort tes abdos pour ça. Contracte tes abdos, tu verras, ça bougera plus. Allez. Ah.
Avance un peu plus, avance un peu. Voilà. Voilà, parfait. Oui. Repos. Nickel. Terminé pour les montagnes Clippers. On n'en parle plus. 30. On peut refaire un sixième tour. Je t'insiste. On va faire. Allez, les fentes. Les belles fentes avant. Ok. Lance ma jambe. Je descends bien. Bas, le genou ne touche pas. Ok, les abdos sont contractés. Les épaules sont basses, relâchées, je remonte. Ok. Allez, on fait des belles fentes. Allez. Oui. Oui. C'est mieux. Lance bien ta jambe. Non, là, tu fais des fentes sautées. Voilà, voilà, très belle celle-là. T'alternes fente arrière, fente avant. Reste en fente arrière. Ok, lance ta jambe arrière. Voilà, parfait. Allez, allez. Et on va le sourire. On est concentré. Parfait. Terminé pour les fentes. Allez, tablette de chocolat. Ok, c'est la dernière série. Ok, le bassin est bien posé au sol, d'accord? Ouais. Parfait. Je prends les jambes. Ça, c'est dur à ça. 2, 1, allez, on descend. Bien bas, on remonte. On descend bien bas, on remonte. Allez, on contrôle sa descente. On descend, on descend, on descend, on remonte. Parfait. On remonte. Soufflez bien quand vous remontez. On inspire. Allez, 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 allez. On tend les jambes. On descend bien bas. On descend, on descend, on descend. Allez, on remonte. Allez, 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 allez. Allez, 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 la dernière, la dernière. Repos. Oui, oui, bah voilà. C'est ça. C'est ça, on y est. On y est. On est mort. Allez. Plus que deux exercices, qu'une minute d'effort. Je surnage. Ah. C'est ça, hein. On élimine des calories, forcément on transpire un peu, hein. Moi c'est pareil. Pour tout le monde pareil, hein. Allez. Allez, on fait un petit saut en haut. Hein. Allez, les épaules toujours dans l'axe. Hop. Parfait. Jambe droite. Hop. Allez. Ne vous inquiétez pas que cet exercice-là paraît anodin, mais je vous redirai les nouvelles demain. Parfait. Dernier exercice, montée de genoux. On a tout, c'est la fin, c'est le sprint final. La dernière ligne droite. J'enlève les tapis, parce que là, ça va aller vite. Non, 30 secondes, on reste à 30 secondes, on reste derrière. Par contre, je vais faire 30 secondes. C'est la fin, après on peut dormir. On peut faire la sieste, on peut manger. Donc là, je veux 30 secondes de monter de genoux. On y va. Ok? On n'est pas là pour sucrer les fesses. Allez, 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 allez. Allez, on contracte bien les abdos, épaules basses. On reste dans l'axe, regarde, tout en face. Ça va pas bouger. Allez. Allez, on lève un peu plus haut les genoux. Allez, 15 secondes, ça le fait, ça le fait. On regarde pas le chrono. On s'arrête pas avant 6 secondes. 10 secondes, allez, allez, allez. Intensité, intensité, allez, allez, allez! Allez, jusqu'au bout! Terminé! Ça va? Ça va. Nickel! Ouais. Félicitations! Félicitations! Vous pouvez boire si vous voulez. Voilà! 5 tours, 30 secondes, hein? Mais on parle le sourire. Comme quoi, on peut faire du sport et avoir le sourire. C'est cool, vous avez bien bossé. Merci. Je peux marcher un petit peu là. On a de l'espace. On récupère tranquillement. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle un HIIT. Donc le HIIT, c'est un circuit training de haute intensité à intervalles réguliers. Donc tu vois, c'est 30 secondes vraiment actif,
30 secondes de récup. C'est comme un fartlek en course à pied. Sauf que là, du coup, tu travailles sur différents exercices. Donc là, on a travaillé beaucoup les abdos, les cuisses, le cardio. Très complet. Et franchement, voilà, 25 minutes d'exercice. Donc efficace et pas cher. Et 30 jours pour s'en remettre. C'est le dernier 30. Non, c'est très bien. Allez, on récupère, on va s'étirer un petit peu. Vous allez peut-être avoir du mal au cuisses demain matin. Si vous avez bien fait les 30. Moi, du coup. Si, quand même, t'inquiète pas. Allez, on va venir. On respire bien. Vous devez sentir votre mollet et votre fessier aux jambiers qui. Plus vous poussez votre fessier vers l'arrière. Ça va bien. Vous sentez là? Ouais, ouais. Ok, bon, c'est nickel. Et là, vous allez voir, tour de magie, c'est un truc incroyable. Voilà, on a changé de jambe, personne n'a rien vu. Voilà, plie ta jambe, voilà, plie ta jambe gauche. Non, non, reste en haut, reste en haut. T'as juste à plier ta jambe gauche. Et c'est tes fessiers qui vont vous chercher derrière. Nickel. On peut se remettre. Relâche. Hop, on va chercher un peu en haut. On peut travailler les épaules. Voilà, les pieds, les genoux légèrement fléchis. Va chercher devant, va chercher devant. Devant, relève-toi, ici. Ok, on va dérouler tranquillement, vertèbre par vertèbre. On déroule le dos jusqu'à la nuque. Parfait, on va aller chercher loin, loin, loin. En haut, on s'étire, on s'étire. Prends une grande inspiration et à 3, on va relâcher les bras. 2, 3. Les genoux légèrement fléchis. Voilà. On refait une dernière fois. Allez, on enlève toutes les tensions. On tire, on tire, on tire, on tire. Et on relâche. Et on s'applaudit. Le Crédit Agricole était on fire aujourd'hui. Félicitations à vous. Franchement, bien joué. Vous avez tenu 5 tours et vous avez bien fait. Franchement, c'était top. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Et félicitations pour cette petite séance. Gardez la pêche, gardez le sourire et à la semaine prochaine. Ciao !